Simon, c'est le grand jour, c'est le championnat du monde avec une équipe plutôt de punchers et vous êtes en particulier l'un des meilleurs, je pense. Ouais, c'est vrai qu'on a une très belle équipe. On arrive au jour J là. Voilà, toute la préparation est finie. Moi, je suis prêt, hein, physiquement, mentalement, je suis prêt. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire la course. Et justement, quel type de course on s'attend aujourd'hui? Hier, les États-Unis ont essayé de durcir. C'est ce qui va se passer avec peut-être plusieurs formations ici. Ouais, je pense que ça va être une course comme les classiques, du vent, de la pluie, des bosses difficiles, des petites routes. Donc ouais, je pense qu'on va assister à une très jolie course et il va y avoir de la bagarre. Pour vous, il va falloir essayer de se cacher un peu et de prendre les bonnes roues ou alors carrément provoquer? Je pense dans un premier temps, rester placé, ça va être une course vraiment où le placement il sera important. Et puis après, voilà, comme on dit, la chance elle se provoque. Donc sur le final, il ne faudra pas hésiter à bouger et on ne va pas être champion du monde en suivant les roues. Donc maintenant, on est tous prêts, on va tout donner et on n'hésitera pas à attaquer et à faire ce qu'il faut pour avoir aucun regret. L'endroit le plus décisif, c'est cette bosse avant l'entrée sur le circuit ou c'est le circuit lui-même? Ouais, c'est la bosse, c'est le sommet de la bosse à découvert. Et après, voilà, sur un championnat, on sait que ça joue tout le temps à la fin, dans la dernière heure. Donc voilà, on verra, on va être vigilant et après, on donnera le maximum pour pas louper les coups et puis provoquer sur le final. Juste pour conclure, qui sont les coureurs à surveiller ici? Voilà, il y a beaucoup de grosses nations. Après, voilà, je pense aux Danois, aux Norvégiens, aux Anglais qui courent très bien collectivement. Et puis après, il y a des individualités. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de coureurs qu'on va pointer. On va faire attention à tout le monde et faire notre course voilà, sans, pour ne pas avoir de regrets et tout donner et finir voilà, avec la satisfaction du travail bien fait et en espérant un podium et le maillot, quoi. Merci beaucoup, bonne chance. Ça va ?